35 en pas ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 transactions. J'ai toujours pas vendu mon FCL, mais il fait une remontée spectaculaire. Et euh, je prends peut-être un risque. De monter à est à 8,70. J'ai payé 8,88, je pense. 8,90, il faut que j'aille revoir. Euh, il fait une belle remontée. Euh, il est peut-être essoufflé. Je prends la chance parce que je vais vous montrer pourquoi. Euh, qui peut être très intéressant. De toute façon, j'ai confiance en le long terme. Je l'ai quand même joué trois fois aujourd'hui. Un hein? euh, coup de 5000 actions, il me l'a donné. Euh, donc j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, une, deux, trois, six transactions aujourd'hui. Canal dans le, dans le mining des bitcoins. Euh, solo euh, l'auto électrique deux fois et trois fois FCL. J'ai fait exactement la technique. Euh, que je vous enseigne, <laughs> que j'ai pas fait hier. Euh, prendre des petits profits quand il se présente Puis à l'ouverture, il y a toujours des petites affaires qui se passent. On va aller voir ça euh, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, donc je vous amène ici. Euh, regardez FCL. Regardez-le, la belle remontée. Hein? Il, est, il est parti ce matin. Euh, hier, il est descendu jusqu'ici à 6 piastres. Il a remonté un peu, il a redescendu, il a fait une belle remontée, et là, il a eu slingshot, paf, il est parti. Euh, il, là, en ce moment, je ne l'ai pas encore vendu parce que le plafond est à 8,50$. Donc, tant qu'il s'assoit sur. Puis regardez aujourd'hui, là, euh, on va revenir tantôt, mais je l'ai acheté une fois ici, je l'ai vendu là. Je l'ai acheté une fois ici, je l'ai vendu là, je l'ai acheté une autre fois ici, je l'ai vendu ici, pas jusqu'au bout. Et là, il fait une autre remontée. Il est venu s'asseoir encore pour peut-être faire. La dernière remontée que j'ai besoin. Honnêtement, le rendu à 8,80, et 80, là, je vais accepter qu'il me donné euh, ce que j'avais besoin. Mais il y a une très belle... Regardez, là. C est, c est... il y a tellement de chance ici. On aurait pu le rejoindre une autre fois. Et regardez, il vient de partir encore pendant que je vous parle. On a presque le goût de s'asseoir comme ça et le regarder. Euh, Est-ce que c'est ce que je manque? On va le regarder. On va le regarder du coin de l'œil, bien entendu. Euh, mais il veut monter. Il veut monter vers 9. Donc euh, euh, hier, je laissais 15 000 à la table. Là, en ce moment, si je le vends, c'est à peu près 1 500. Pas à la fin du monde, j'ai 4535 aujourd'hui. Mais euh, je vais attendre. Je vais attendre demain les marchés sont pas ouverts. Hein. C'est l'action de grâce. Et il euh, y a un momentum qui veut l'emmener. Puis regardez-le, il veut, il veut monter. C'est incroyable, la folie des gens. Moi, c'est pas normal. Normalement, je ne fais pas ça, ces affaires-là. Euh, je ne viens pas jouer dans ces actions-là. J'achète puis je revends. Là, je suis un peu pris avec, mais je suis prêt à le garder encore. Mais c'est certain qu'à 8 et 80 là, ça va être difficile. Mais regardez, il veut monter là, le, le Deep of Market. Je ne sais pas si vous l'avez, vous autres. Là. Regardez ça ici. Là. Euh, mais moi, j'ai ça ici. Et ça me permet de voir les acheteurs versus les vendeurs. Donc, euh, est-ce qu'il s'essouffle? Est-ce qu'il s'en va vers la bonne, la, vers le 9 tout est possible. La réalité, c'est que c'est des plafonds ça. Hein? Euh, 8 et demi en était un. Il a, basé, il a arrêté son 8,5. Okay? Il est venu ici. Et euh, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Honnêtement, je pensais l'avoir pour au moins une semaine, deux semaines, trois semaines, <laughs> peut-être un mois. Et euh, le regardant en disant pourquoi j'ai fait ça, mais là, je suis en mesure de le vendre très bientôt, probablement pendant qu'on se parle. On va aller voir mon premier trade de la journée, qui est Canan. Et vous voyez, regardez, il se. il se stabilise. Peut-être son prochain plateau, c'est 8,60 hein? Ça va peut-être être ici, 8,53. Donc, euh, on va le regarder aller, là. Puis euh, peut-être que je vais le vendre euh, devant vous. Euh, ce matin, je suis venu ici sur Canane. Très intéressant. Alors, il y a trois compagnies que je regarde pour le Chain Block, Mara, Riot et Canane. Et je ne crois pas au Chain Block, bien entendu, au Bitcoin, ça ne m'intéresse pas de l'acheter. D'ailleurs, il est à combien aujourd'hui? Euh, le bitcoin, il perd de l'argent, mais ce n'est pas grave, ces compagnies-là montent pareil parce qu'ils transigent. Et je l'ai acheté en partant ici à 9h37. Euh, 9h39. Il est descendu ici, puis lorsque ça descend trop vite, euh, qu'il y a eu cette petite stabilisation-là ici, euh, je l'ai pris ici. Dès qu'il a commencé à remonter un peu, et je l'ai vendu ici tout de suite. J'en avais acheté 7000, euh, ça m'a donné 1400 euh, ça faisait exactement 15, euh, Ça m'a pris 6, 6 minutes. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est sûr que regardez, si on le regarde après, là, on a dit on aurait dû le garder. Hein? Mais c'est pas de même. Hier, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'aurais dû le garder et euh, j'en ai mangé euh, toute une. Fait que des, des, J'aurais dû, euh, je ne le fais plus euh, trop trop. j'aurais dû, euh, je vends. Euh, je suis venu après ça à 9h53 sur Solo. On va juste regarder un oeil sur FCL, voir qu ce qui se passe. Euh, intéressant. Intéressant, intéressant. Il peut être poussé vers 8 et 80. Très intéressant. Je suis venu sur Solo, euh, Solo à 9h53. Et regardez Solo comment il se promène aujourd'hui, euh, auto électrique. Les auto électriques ont mangé une volée hier, ils ont descendu le matin et là euh, sont encore dans le négatif mais ils prennent une belle remontée, une très très belle remontée. Et euh, Solo 9h53, je l'ai acheté ici, l'ai acheté ici. Euh, J'aurais pu le vendre ici. Je l'ai acheté à 7,81. Euh, et je ne l'ai pas vendu ici qui était à 7,86. Ce n'était pas assez. J'ai attendu, il est descendu ici, puis il a fait une autre montée. Quand il est venu côté sur le VWAP, je l'ai vendu ici. Ça, c'était rouge, ça, ça venait de dépasser. Ça, on était à moitié, il en reste encore. Mais euh, j'avais décidé que, regardez, je faisais un autre 800. Euh, je reviens dans mes bonnes habitudes et je faisais un autre 800, ça me faisait 2200, il est 10h30, enfin une heure que je travaille. 2200, pièces US. Hein? Je suis revenu voir Solo à 10h47. Tout de suite après, il a monté et il a redescendu. Quand il est venu sur le VWAP, WAP, hein, ici à la croisée, je l'ai repris à 7,87$ pour le vendre à 8,5$. 7$ euh, ici, pour le revendre ici. Tout de suite, euh, pas longtemps après, euh, à 11h03, juste ici. Bingo, un autre 900$. Je transigeais en moyenne 5000 actions. Donc, c'était un, un autre 900 d'accumulé. Et là, après ça, j'ai regardé FCL. J'ai dit, bon, je ne trouvais rien, parce que ça, c'est toutes mes actions que je regarde. Le sens, ça va être trop long de toutes les regarder, mais je ne trouvais rien qui qu rencontre dans mes patterns. C'est quoi mes patterns? Euh, c'est toutes les RSI dans le bas, euh, le VWAP qui s'en va vers le haut avec le Moving Average. Donc, il faut que ça rencontre ces critères-là. Et... Euh, et je n'achète pas lorsque le, 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 ça ici, comme ça en ce moment, je ne l'achèterai pas. Ce n'est pas le bon moment. Tout est hors contrôle. Est, ça, ça se peut que ça monte, mais ça ne rentre pas dans mes critères. Aujourd'hui, j'avais 40 000 J'ai fait 4 535 euh, euh, parce que mon euh, 50 000 habituel, il est pris dans FCL que je vais sûrement vendre aujourd'hui. Il est à 8,56, 8,60. Regardez, il se maintient. Il a, en ce moment, il est à jouer encore. Il vient s'asseoir. Le nouveau plafond, ça s'en met ici, là. Nouveau plancher, plafond à 875, donc peut-être à 870, quand il va briser le 870, 75, ça se peut qu'il explose, ça se peut qu'il redescende ici. Tout est possible, j'ai du profit d'accumuler, donc je peux me permettre, parce que la tendance est intéressante, okay? la tendance s'en va vers le haut, donc ça serait ridicule pour moi de laisser de l'argent sur la table, quoique je peux en laisser beaucoup, ça peut dégringoler d'un coup, mais... Euh mais avec la tendance actuelle, j'ai comme confiance qu'il euh, peut frapper 8 et 80. Et je l'ai repris ici. Je l'ai repris ici. Donc aujourd'hui, je le regardais, je disais OK, il n'y a rien d'autre, pourquoi J'avais oublié que même si je l'ai une fois, je peux leur transiger plusieurs fois. Et je suis venu ici, je l'ai pris ici, je l'ai vendu là. Je l'ai repris ici, je l'ai vendu là. Je l'ai repris ici, et je l'ai revendu à peu près ici, puis il a continué sa remontée. Et si j'étais là en ce moment, je n'étais pas en train de vous parler, je l'aurais probablement repris ici encore, à 8 et 43, pour refaire un autre Vincennes. Vincennes, c'est un autre 1000$, tout de suite, comme ça. Et là, il repart. Regardez, il s'accotte dessus, puis il repart. Ce qu'il a besoin en ce moment, c'est un bon push. Euh, donc, les voitures électriques, aujourd'hui, ont donné euh, un bon retour. Euh, je ne comprends pas la folie des gens. Normalement, c'est ce genre de titres-là. Je ne les transige pas comme ça. Je ne les garde pas aussi longtemps parce que ça reste euh, risqué. Mais on dirait que les gens veulent l'amener vers 9$. Donc, euh, je ne laisserai pas 1 500$ à la table. J'ai quand même 4 535$ parce qu'avec FCL, j'ai accumulé un 500, euh, un autre 300 et un autre 350$ en gardant euh, de, 10 heures, de 11h32 à 11h pendant 6 minutes 500$. Pendant 5 minutes, 500$. Piastres. Pendant 3 minutes, euh, 350$. Euh, c'est exactement ce que j'aime faire, euh, euh, puis qui est payant et qu'il qu faut que je ramène. Donc, je ne pensais pas aujourd'hui. Quand tu as une mauvaise journée, c'est un peu comme un joueur de hockey qui a un mauvais match. Tu joues un peu euh, insécure et j'étais un peu insécure en partant le matin. Puis finalement, ben, 4535. En étant euh, en ramassant que des scènes, des petites scènes qui viennent faire la différence. Euh, C'est exactement ce qu'il faut faire. Je n'ai pas regardé vraiment autre chose parce que j'étais concentré à faire mes affaires. Euh, mais euh, regardez, il semble vouloir repartir. Est-ce qu'il va s'essouffler? Euh, C'est toujours le risque. Toujours le risque euh, euh, avec ça. Euh, ça reste qu'il y en a beaucoup donné aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va descendre jusqu'au VWAP pour refaire une remontée spectaculaire ou je vais l'attendre peut-être pour vendredi? Ça se peut, je le garde jusqu'à vendredi. Euh, on va le regarder. Mais euh, vous avez été très sympathisant avec moi hier, <laughs> avec, euh, avec ça. Puis, <laughs> je vous en remercie. Mais regardez, aujourd'hui, j'ai une belle journée. Fait que je pourrais le laisser aller en ce moment. Euh, je perdrais quoi? 50, cents, 50 fois 5000, 2500, je finis la journée quand même avec 2000$ de profit, ce qui est euh, excellent. Donc je vais regarder, je vais prendre une décision tantôt. En ce moment, regardez pourquoi je ne le vendrais pas en ce moment. Parce que le, le, le RSA, il vient de retomber à zéro, tout est en bas. Et euh, ça veut dire que les gens, soit qu'ils prennent des profits, euh, normalement, si tu veux le vendre, tu le vends dans le haut, pas dans le bas. Ça veut dire que dans le bas, il, il peut avoir une tendance à remonter. Est-ce qu'il va remonter avec le prix? Pas nécessairement. Mais, euh, mais euh, regardez, il va retenter encore une autre remontée. C'est comme ça. Euh, puis là, il fait devant nous. Là. Il s'étire. Hein? Vous voyez quand la. Quand ça ici, c'est plein, c'est vide, c'est qu'il part du bas pour le haut. Quand c'est plein, c'est qu'il a parti très haut. Euh, comme ici, il y en a un petit qui est plein, là. Euh, la chandelle. Donc là, il s'étire, il monte vers le haut. Donc, il y a une tendance. Haussière euh, puis on le voit ici par le deep of market là. 800 800 actions 1000 1 actions 300 donc tant que ce chiffre là est plus haut c'est pas le, pas le temps de le vendre regardez il va monter hein? on regarde ce chiffre là ça m'aide à prendre des décisions aussi pour acheter ou vendre hein? quand je vois qu'un titre veut remonter comme ça je l'achète peut-être pas ici ni là mais quand je le vois ici qui veut faire ça comme ça là j'embarque tu embarques tout de suite ici regardez ça ne rien rien 853 8, 53, 8 et 64, si tu es capable de le prendre les deux, tu viens de, tu viens de faire. Regardez, là, ça vient de changer de ce bord là Mais non, ça repart. 8 et 53. Donc, en ce moment, j'ai comme l'impression qu'il prend un, un breeder pour euh, soit se relancer. Euh, il ne semble pas vouloir aller vers le bas. Pour le moment, je vous parle, mais il semble le faire. On va regarder ça tantôt. On va regarder ça tantôt, tantôt, tantôt. Merci d'être là. Bon trading. Soyez prudent. Si vous appliquez la méthode, soyez pas trop greedy. Vous avez vu hier comment ça a pu me coûter cher. Donc, je vais prendre une décision tantôt avec ce titre-là, voir quest ce qu'il va faire. Il y a l'Happy Hour. de 3 à 4 qui peut l'amener à peu près n'importe où. Donc, ça peut être intéressant parce que le Power Hour, ce n'est pas l'Happy Hour, c'est le Power Hour. 9h30 à 11h, les traders sont là. Ils prennent une pause. Entre 3 et 4, ils sont là. Ils veulent-tu l'amener fort pour le Thanksgiving? Ils vont-tu le faire tomber? Euh, tout est à surveiller, mais je vais, je, vais, je vais le garder de proche. Je vais le garder de proche. En ce moment, il se comporte bien, même s'il veut descendre un peu, ce qui est un peu normal, mais il n'y a pas de panique. Voilà! Bonne journée à tous.